Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Certains reconnaîtront ce son bien spécifique. Dans les années 60, des programmes de recherche américains s'intéressent aux possibilités extraordinaires que représente le déploiement d'un réseau d'ordinateurs. 30 ans plus tard, dans les années 90, l'ensemble de ces recherches aboutit à ce fameux son, la connexion du modem à Internet pour le grand public, c'est-à-dire une fenêtre ouverte sur le monde, un réseau de réseaux composé de millions de réseaux, aussi bien publics que privés, universitaires, commerciaux et gouvernementaux, eux-mêmes regroupés en réseaux autonomes. En 2019, il y en avait plus de 91 000. Cet accès à une nouvelle réalité a complètement modifié nos comportements. Après avoir construit de nombreux outils pour se mettre à l'abri des intempéries, de la faim, de la maladie, et finalement en sécurité financière, l'humain a continué à optimiser sa vie matérielle pour se débarrasser des contraintes physiques. Avec l'ouverture d'Internet et cette fenêtre sur le monde, l'humain modifie à la fois son environnement physique, mais également sa conscience du monde. Cette première étape d'une humanité qui se crée une seconde réalité dépassant les frontières n'était que le début du gigantesque secteur numérique actuel. Cette révolution qui a profondément transformé les technologies et les services s'immisce aujourd'hui dans n'importe quelle parcelle de notre vie. Sollicitée par les utilisateurs pour agrémenter leur vie, et vénéré par les fondateurs comme seul secteur à croissance fulgurante, nous en dit long sur la future évolution humaine. Au-delà de ces effets positifs qui nous permettent de nous sentir libres et de créer la vie virtuelle que nous souhaitons via nos passions ou de communiquer avec le monde entier, il se cache derrière le numérique plusieurs sombres réalités. Un like sur Facebook, quelques recherches Google, un petit Snapchat, mes déplacements, la régularité de mon train de vie, mes contacts, tout. Tout est stocké et conservé. Mais pour quel usage et quelle raison? Tout débute lorsqu'Internet commet le péché originel. Comment rendre ce nouveau moyen de communication rentable? Doit-on faire payer les utilisateurs lorsqu'ils souhaitent une certaine application? Sont-ils prêts à payer? Bien sûr que non. La liberté qu'a insufflée Internet ne comprenait pas cette option. Aussi, pour se rémunérer et prospérer, la vente de données privées a débuté, ouvrant ainsi la boîte de Pandore sur nos libertés individuelles. La création incessante de nouveaux algorithmes, qui je le rappelle est une méthode générale pour résoudre un type de problème, l'algorithme est dit correct lorsque pour chaque instance du problème, il y trouve une solution et continue d'évoluer. Comme notre profil Facebook, les algorithmes permettent de profiler votre type de comportement, vos habitudes, vos désirs et vos envies. Faites le test chez vous, allez sur plusieurs sites marchands, cherchez un produit particulier, tiens pourquoi pas une machine à fabriquer des pâtes maison, et bien vous constaterez qu'en allant sur votre réseau social préféré, une multitude de publicités vous proposeront une somptueuse machine à pâtes. Ici vos données de recherche ont été partagées avec des entreprises commerciales. Vous pourriez vous dire que c'est parfait, qu'au moins vos moindres désirs sont ciblés, et qu'il n'y a rien de mal finalement, je n'ai rien à cacher. Mais d'autres aspects plus dangereux existent. En 2013, à travers différents titres de presse américains, nous apprenons qu'Internet, mais aussi les téléphones portables et d'autres moyens de communication sont sur surveillance mondiale sous l'égide de la NSA, la National Security Agency, ou plus précisément l'Agence nationale de la sécurité, un organisme gouvernemental du département de la défense des États-Unis. Ces fuites, émises par Edward Snowden, ex-agent de la CIA et ex-analyste contractant de la NSA, avec plus d'1,7 million de documents confirmant cette surveillance, font l'effet d'une bombe.
Ainsi, entre 2013 et 2015, les services secrets américains et britanniques ont espionné des câbles sous-marins, de télécommunications intercontinentales et d'institutions internationales comme le Conseil européen à Bruxelles ou bien encore le siège des Nations Unies. Vous me direz que vous n'avez rien à cacher et qu'ici il s'agit d'enjeux stratégiques, et bien pas tout à fait, comme nous dit Edward Snowden. Dire que la vie privée ne vous intéresse pas parce que vous n'avez rien à cacher, c'est comme dire que la liberté d'expression est inutile parce que vous n'avez rien à dire. Une étude très sérieuse a défini que 60% des personnes ont quelque chose à cacher. Personne n'est un enfant béni devant la justice, rien que le petit vol d'un bonbon, un petit excès de vitesse soi-disant justifié. Bref, vous seriez surpris de voir l'extraction de vos métadonnées, donner la définition même de ce que vous êtes et par ce biais, vous répertorier, influencer vos comportements, voire même les trouver contraires à un certain équilibre. Prenons le cas des activistes d'Occupy Wall Street de 2011. Que nous pouvons assimiler au mouvement des indignés espagnols qui, à l'époque, désignaient la finance comme responsable de l'austérité ambiante. Une surveillance de masse a été déployée pour endiguer le mouvement. Les arrestations étaient jugées valides, non sur des faits, puisque les manifestations se voulaient non violentes, mais sur des suppositions dues à la surveillance numérique des interpellés, par leurs contacts et leur sensibilité politique. En 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, la France bascule à son tour dans un état d'urgence. À l'époque, Manuel Valls, Premier ministre, se veut tempéré mais ferme et demande au ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, de lui adresser des propositions de renforcement en matière de surveillance, en particulier concernant Internet et les réseaux sociaux. C'est l'annonce publique d'une surveillance de masse. Aussi, Facebook ne se cache plus d'avoir mis au point en 2017 un algorithme permettant de juger de la solvabilité financière des utilisateurs, pour quelle fin, seule Marc le sait. Ou encore, en France, une entreprise privée s'est permise de répertorier par profil politique les internautes qui tweetaient au sujet de l'affaire Benalla, pour quelle fin, seule. Avec ces exemples, nous voyons mieux l'argument mis en avant quant à l'usage de ces données par les entreprises ou encore par les gouvernements. Il s'agit de la sécurité. Cependant, de la sécurité de qui s'agit-il ? En démocratie, nous pouvons peut-être croire qu'il s'agit de la nôtre, mais en dictature, c'est plutôt celle du système installé. En place d'ici 2020 et en phase de test depuis 2018, la Chine compte gouverner par un système de crédit social qui permettra de créer une base de données nationale de réputation des citoyens. Chaque personne se voit attribuer une note, échelonnée entre 350 et 950 points. De là, vos points évoluent suivant vos actions. Une bonne action en accord avec le régime vous permet d'augmenter votre crédit, alors qu'une mauvaise le diminue. Ce système est fondé sur les données dont dispose le gouvernement à propos des statuts économiques et sociaux de chaque individu. Reposant essentiellement sur des outils de surveillance de masse et utilisant les technologies d'analyse du Big Data, ce système est également utilisé pour noter les entreprises. Nous y sommes. 1984, le célèbre roman de George Orwell, nous plonge dans ce régime policier et totalitaire de la société de la surveillance et de la réduction des libertés. À l'heure où les contestations montent dans chaque secteur de nos vies, environnement, santé, travail, au niveau national comme au niveau mondial, l'essor du numérique dans cette version Big Brother de surveillance doit nous rappeler que notre sécurité ne doit pas être entre les mains de sociétés telles que Google ou Facebook ou de pouvoirs peu scrupuleux, et que nos données peuvent s'avérer être un moyen de manipulation ou bien encore de répression. Dernièrement, le gouvernement français, à travers l'article 57 du projet de loi de finances pour 2020, veut permettre à l'administration fiscale et aux douanes de surveiller les plateformes Internet. C'est un sombre portrait du potentiel numérique, cependant, il ne s'arrête pas là. Le numérique a également un coût environnemental incontestable au niveau des émissions carbone. En 2018, par exemple, rien que les vidéos en ligne ont émis 300 millions de tonnes de CO2, soit 1% des émissions mondiales. Pour le comprendre, il faut imaginer le chemin parcouru par la vidéo, qui est d'abord stockée dans des centres de données ou data centers, qu'il faut refroidir. Ensuite, la vidéo arrive sur nos écrans par des réseaux et des serveurs, sans oublier nos box à l'intérieur de nos maisons. Le secteur du numérique représente aujourd'hui 4% des émissions de CO2 mondiales et devrait doubler d'ici 2025, en seulement 6 ans.
Bien évidemment, l'engouement pour la vidéo en ligne sur des plateformes telles que Netflix ou encore Amazon n'est qu'à son début lorsqu'on sait que Disney et tant d'autres comptent également profiter du pactole. Une sobriété numérique est donc nécessaire, mais pour en avoir conscience et faire le chemin vers cette sobriété, il faut être informé. Aussi, je vous conseille les travaux du Shift Project, un groupe de réflexion sur le sujet, très calé, et surtout, nous apportant des solutions concrètes pour une prise de conscience. Ils ont édité récemment une application pour smartphone qui s'appelle Carbonalizer et que vous retrouvez sur Android. Une fois installé sur votre téléphone, vous aurez accès à votre consommation carbone par les données collectées sur votre navigation. L'énergie consommée, l'équivalent en CO2, l'équivalent en kilomètres, voilà les informations simples que vous apportera cette application. Un petit jeu, sur une semaine, calculez votre émission carbone et essayez de faire moins la semaine suivante. L'impact désastreux du numérique sur le climat doit impérativement attirer notre attention. Il est en perpétuelle croissance partout, dans notre smartphone, dans les intelligences artificielles qui nous entourent, dans le monde connecté que nous souhaitons voir après nous être déconnectés de celui du vivant. Le numérique, malgré les menaces qu'il fait peser sur nos sociétés, a également des vertus. Pour ma part, il m'a permis par de nombreuses lectures d'avoir différents angles de vue, d'étudier, de m'ouvrir l'esprit, de vagabonder pour rencontrer des citoyens du monde entier, d'Amazonie, d'Afrique, d'Asie, d'apprécier leur culture parfois si différente, pour finalement retrouver en chacun d'entre eux une même humanité, les mêmes envies, juste une vie heureuse sur une planète en santé. Loin par la distance, le numérique permet de rapprocher les êtres humains sur leurs points communs, qui sont similaires à toute l'espèce humaine et supérieurs aux intérêts individuels. Pour ça, merci le numérique. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green ? Oui ! Green, comment ? Oh, super Green ! Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, 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 tu vois ? Mais tu vois le Green, Green, absolument. Green, plus Green.